bienvenue sur notre chaîne YouTube, sur notre site Internet ainsi que sur notre page Facebook bonlocataire.com, toujours au pluriel. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une grande propriété, une très grande maison. On est dans le secteur de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. Donc, c'est une grande propriété unifamiliale, rez-de-chaussée, plus sous-sol, cour extérieure. Vous allez avoir deux places de stationnement extérieures sur le côté. Si vous voulez louer aussi le garage, cela pourra être possible. Alors, si vous êtes une bonne famille, que ce soit des Ukrainiens, des nouveaux arrivants, que vous êtes du bon monde, hein, donc vous avez besoin d'une grande propriété où vous logez, comme on dit, vous et votre famille, ben, je vous conseille de voir cette vidéo 360. C'est une grande maison unifamiliale. Donc, vous êtes les seules personnes à occuper ce logement, cette propriété, cette maison dans le secteur de Longueuil ou Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal. Si vous voulez connaître le prix, les inclusions, la date d'occupation, la consommation d'Hydro-Québec, bref, les photos, avoir accès à cette propriété, moi, je vous conseille de cliquer sous cette vidéo. Vous allez avoir un lien Internet qui va vous amener sur notre site bonlocataire.com et vous allez avoir accès à la fiche détaillée de la propriété. Alors, je vous montre ça ici immédiatement. Donc, vous allez avoir derrière moi la porte d'entrée principale du logement de la propriété. Je peux vous montrer ici l'extérieur. Donc, voyez-vous l'extérieur, c'est quand même, on est dans un secteur résidentiel, familial, paisible. Alors, vous entrez, vous allez avoir ici votre hall d'entrée céramique. Ici, c'est chauffé. Vous allez avoir ici un grand espace salon. Donc, salon, si vous avez des grands meubles, aucun problème, tout pourra entrer facilement. Vous allez avoir ici un placard d'entrée, quand même assez grand. Bon, actuellement, il y a des produits nettoyants, de peinture, etc. Mais sinon, c'est un grand garde-robe d'entrée. Alors, immédiatement, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez voir la très grande cuisine avec salle à manger ou même un deuxième salon. Vous allez avoir ici, devant moi où je suis actuellement, vous allez voir les trois chambres à coucher, salle de bain, ainsi que le sous-sol. Donc, on commence par la cuisine immédiatement. Alors, la cuisine, vous allez avoir beaucoup d'armoires. Vous allez avoir ici l'espace pour votre réfrigérateur. Très important d'avoir les bonnes mesures, hauteur. Bon, ici, la cuisinière, vous avez des plaquettes chauffantes. Elles sont incluses dans le prix de la location. Beaucoup de comptoirs, lavabo, espace pour le lave-vaisselle juste ici. Et vous allez avoir ici votre micro-ondes ainsi que le four directement. Et ça vous donne un grand espace îlot qui vous donne un coin table à manger ou quoi que ce soit, juste ici, coin repas. Alors, immédiatement, vous allez avoir le grand espace salle à manger ou encore une fois un deuxième salon. Ce que j'aime beaucoup d'ici, c'est que vous allez avoir de grandes fenêtres, donc beaucoup de luminosité. Ça fait comme une espèce de solarium quatre saisons. Donc, c'est bien ouvert, bien aéré et très, très lumineux. Alors, je vais vous montrer la cour extérieure tout de suite. Voilà, donc vous allez avoir ici votre grande cour juste pour vous. Alors, si vous êtes une bonne famille, de bons locataires, vous êtes encore une fois les bienvenus. Et vous avez, encore une fois, je vais vous montrer, on est au rez-de-chaussée. Donc, on vous montre maintenant, bon, ici derrière cette porte, vous allez avoir des tablettes. Première chambre à coucher, quand même assez grande, assez spacieuse, grande fenêtre. Et vous avez ici, encore une fois, le garde-robe pour la première chambre. Donc, si vous avez un grand lit, aucun problème, ça pourra entrer. Et vous avez ici tout de suite la salle de bain, lavabo, pharmacie, vous avez ici du rangement, vous avez ici la baignoire quand même assez longue, assez profonde, céramique jusqu'au plafond qui vient d'être fait avec la douche, et vous avez de la céramique au plancher avec des tiroirs juste ici. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut pour la salle de bain. Encore une fois ici, des tablettes, du rangement pour la salle de bain. Et là, je vous montre la deuxième chambre à coucher, encore une fois, assez grande, assez spacieuse. Si vous avez un lit double, idéalement. Et là, vous avez ici, encore une fois, le garde-robe pour cette chambre-ci avec des tablettes. Alors, la chambre des maîtres, très, très grande chambre. Donc, si vous avez un lit king, sans problème, tout pourra entrer facilement. Vous allez avoir ici miroir.
Et là, vous avez ici le grand garde-robe pour la chambre des maîtres, donc quand même assez spacieuse. Alors voilà, donc ça c'est pour le rez-de-chaussée. Donc on a fait le tour, salon, cuisine, salle à manger ou double salon. Et là, nous descendons. Donc je vais vous montrer le sous-sol. C'est un sous-sol qui est fini. Donc vous pouvez faire salle de jeu, mais je vais commencer par ici. Donc normalement ici, vous allez avoir la salle de lavage. Entrée lave-sécheuse une à côté de l'autre, comptoir, lavabo, beaucoup de rangement dans ces coins-ci. Vous allez avoir aussi un espace de rangement derrière ces deux petites portes. Et là, vous allez avoir, regardez-moi, cet espace familial, donc qui est quand même assez grand, assez spacieux, avec une fenêtre. Donc, très grand espace familial fini. Donc, vous pouvez faire salle de jeu, salle de cinéma, etc. Vous faites ce que vous voulez dans cette grande pièce. Alors, vous avez une quatrième chambre à coucher juste ici, donc quatrième chambre. Et puis, vous avez une salle d'eau juste ici, une petite toilette hein, pour les besoins de la cause. Et voilà, donc on a fait le tour de cette propriété. Si ça vous intéresse, vous connaissez de bons locataires qui cherchent toujours de beaux appartements, avec de bons propriétaires surtout. Ben, partagez cette vidéo immédiatement et comme d'habitude, il me fera un grand plaisir de vous donner un rendez-vous pour venir visiter en présentiel cette maison. Alors merci, n'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne YouTube, c'est très important de le faire et surtout d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines alertes que nous allons avoir pour des prochains beaux logements. Alors merci et à très bientôt, bonne journée.